Salut tout le monde et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Cholet ce soir, donc à Aloha Camping. Donc là, on attend tout le monde qui se prépare, là, comme ça on va aller boire un petit café au café bar du coin. Et après, on va déposer Younes à la gare parce que Younes il nous quitte parce qu'il a encore un petit peu de travail à faire. Donc on va finir, voilà, c'est un peu la chèvre. Ça y est, c'est le départ de Younes. Ouais. Et ouais. D'ailleurs, j'ai une casquette de toi. Hey, je vais la voir. Fais la m'envoie vite fait, s'il te plaît. Ciao, ciao. C'est boss. Bon. Comment ça fait ? Champagne ! Ah. Merde, il est encore là. On s'est fait ivrer. J'espère qu'il loupe son train, il revient ce bâtard. C'est clair. Au moyen, il va louper son train. Bon, donc certains se reposent, d'autres jouent aux fléchettes. Fabinho, le tir de l'espace. 15. Oh ta mère. 4. Bon les gars, qu'est-ce qu'il gagne là? C'est Fab pour l'instant. C'est Fab? Ouais. Et ben. Ouais, après avoir perdu la première partie. Ah voilà. Ça y est, donc là, on part du logement. On est un petit peu plus chargé quand même parce que je vous rappelle ce soir c'est chaud LED, donc voilà il y a les balles LED et les valises pour nos tenues LED ici. On les LED du matériel, le trempeau, le panier, l'anneau. Et après on a aussi les lumières UV pour faire la soirée fluo, enfin il y a pas mal de matériel. Donc direction le camion avec tout ça, chargé comme jamais. Moi j'ai la dalle. On a faim, il fait chaud. Ah, bon. You espèce de lâcheur. You il est parti. On se sent seul, il nous manque déjà, franchement. Ouais, parce que c'est vrai, petite anecdote hier soir au show. Donc, Younes est passé avec nous hein, sur le timing. Et il y a la série avant, donc on était en train de passer pour faire la série avant. Et Younes, il a eu son genou qui, vraiment, apparemment, il est sorti, il est rentré de nouveau. Il a pas eu super mal sur le coup, mais bon, il a quand même bien senti tourner. Donc, on espère que ça va aller. Ça n'a pas vraiment enflé, mais bon, on espère que ça va aller pour lui, donc voilà. Ça, c'est vraiment cool, vu que le matos, il est déjà là-bas. Le grand coffre vide, on peut mettre les affaires, voilà. Voilà. Y'a plus de Tetris à faire là. Ouh, il fait chaleur. Ah ouais, ouais. La piste, c'est toujours le dernier. Vous le connaissez maintenant. On y va, tranquille. Ah ouais, je vais devant moi. Pour une fois, Younes n'est pas là, je vais devant. C'est parti. On est arrivé au camping, donc là on va mettre la piste en place, comme ça on fait l'animation contre Ibis. Et pendant qu'on met la piste en place, on va faire un peu du clic de nouveau vu que le panier est déjà en place. Ça va être super cool, en plus il fait grave chaud, donc là ça va faire vraiment du bien, un peu d'eau là sur le visage, donc ça va être cool. Ça y est, c'est votre Ibis juste derrière moi. Ça y est tout le monde, on est en place pour se maquiller. On a les peintures fluo juste ici. Le miroir, voilà comme des vrais artistes avec la lumière et tout. Que nous pêche. On a tout. On a tout pour se maquiller là. Donc c'est le moment d'essayer de voir un peu ce qu'on va faire. Parce qu'on sait même pas trop ce qu'on va faire comme dessin. On s'est dit vas-y, on laisse libre cours à notre imagination. Donc c'est parti, hein, on va ouvrir ça et voilà, on verra quoi. Bon, on a essayé le maquillage, franchement ça n'a pas tenu avec la transpiration et tout. Le soleil du sud est beaucoup trop violent. C'était, ça coulait beaucoup trop. Donc on va essayer d'investir dans des vraies peintures fluo parce que là ça allait pas du tout. On avait essayé l'entraînement et franchement c'était nickel, mais c'est vrai qu'il n'était pas aussi chaud et là ça va être très compliqué. Donc on s'est dit on joue à la sécurité, on les enlève et là
ça va être le show tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc on se prépare, on s'échauffe encore une fois et après c'est parti. Voilà tout le monde, ça y est, c'est la fin du spectacle. C'était vraiment cool. Les gens ont vraiment kiffé. Là, on est en train de ranger les dernières affaires personnelles et eux, ils sont en train de ranger aussi le panier dans le camion. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais voilà, je me suis aussi fait mal à l'épaule. Au dernier dunk, j'ai fait salto dunk pour le final et donc j'ai tapé la main contre l'anneau en faisant le dunk et mon épaule elle s'est déboîtée. Rien de grave, j'ai pu la remettre en place après donc. Voilà, ça devrait aller. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool. Et on va vous filmer le reste de la soirée juste après. Donc voilà. Bon, on avait commandé des salades César pour après chaud. Donc là, c'est vraiment cool. On peut manger la petite salade qui est super bonne. Ouais. Franchement, on a la dalle de ouf. Et voilà, tout le monde. Ça y est, on est rentré au logement. Donc comme dit, là, ça va un petit peu froid. Donc mon épaule, elle me fait quand même bien, bien mal. On verra demain comment ça se passe, si ça va un petit peu mieux ou pas. Là on a pris soin, on a mis de la crème, du froid et tout et tout. Donc maintenant le but ça va être d'essayer de dormir, on verra ça. Puis s'il risque pas trop dormir parce que moi je bouge beaucoup. Et là vu que j'ai mal, je pense que ça va être galère aussi pour lui. Mais bon donc demain ça sera... Ah, là, faut que je t'éjecte. Demain ça sera jour off, donc c'est pas plus mal non plus. Et donc voilà, c'est une fin de vidéo aussi. On va clôturer cette vidéo donc comme d'habitude par un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne des Flying Dunkers TV avec la petite cloche comme d'habitude. Et voilà, à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao.